Ben, j'avais dit que j'allais vous le présenter, hein. Il est mignon, hein, c'est mon fils. Quoi, t'es jaloux? Arrête, Jean-Marc, ça va. C'est dit. Oui, bah, je suis un peu impressionné. Salut, mon petit. Salut, le grand con. Il a dit quoi, là? Il a dit le grand con, je crois. Pourquoi il m'appelle comme ça? Papa, il m'a dit, sois gentil avec le grand con qui va poser des questions. Oui, bah, faut pas écouter tout ce que dit ton papa, hein. Oh, laisse-le, le pauvre, il est petit, hein. Eh, me la fais pas, moi. Tout le monde sait comment t'es ici, hein. Ah bon, je suis quoi, moi? Un fils de pute. Mais il est où? Attends. Pourquoi tu dis ça? Bah... Papa, quand il est en retard, maman a dit tout le temps « Il est où, l'autre fils de pute ?» Elle est folle, elle. Je suis jamais en retard. Si, mentalement. Ça commence bien. Je viens de le faire. Ouais, vrai. Bon, et comment tu t'appelles? C'est écrit sur mon bavoir. C'est dit, on rajoute connard. Connard. Non, il t'a violacé le nœud, là. Bon, le bavoir. Jean Louche. Ouais, c'est mignon, hein. T'as compris, le coup? Oui, bah, oui, j'ai compris. Parce que je m'appelle Jean-Marc et sa daronne s'appelle Nadie Louche. Et du coup, on a fait un mélange entre Jean-Marc et Nadie Louche. On a trouvé direct son prénom, hein. Et ça donne... Eh ben, Jean Louche, exactement. Je suis pas trop fier d'avoir trouvé ça, hein. Je suis un putain de génie. Et il est content. Il a trouvé un prénom de merde, il est content. Et oh, il est content, c'est à moi, c'est Naretlik, on a fait l'Olympia, et Jeff, il s'est acheté une maison de campagne grâce à ça, alors on se calme, hein. Sinon, tu sais où tu vas finir, hein. Oui. Bien. Dans ton cul. Ah, c'est bon. Bon, écoute, Jean-Marc, c'est très bien trouvé, Jean-Louche, et puis toi, ça te va très bien. Voilà, c'est très mignon. Puis surtout, heureusement que Nabilouche n'est pas appelé Dominique, parce que sinon, ça aurait donné Jean-Nic. Jean-Nic, t'as compris? Jean-Nic. C'est un jeu de mots. Jean-Nic. Jean-Nic beaucoup. Jean-Nic pas assez en ce moment. Pardon. Oh putain, il s'excuse, le con. Il assume pas ses vannes de merde. Alors lui, dans la famille, j'arrive pas à sortir ni couche, je demande le fils, hein. Fils de pute. Oh oui, enfin... Dans la famille, j'arrive pas à éduquer mon gosse, je demande le père, hein. Il est très bien éduqué, mon fils. Fils de pute. Oh, oui. Ça se voit, oui. Il s'occupe bien de toi, à la maison, ton papa. Oh oui, on a 7 nounous. 7 nounous? Qu'est-ce que vous foutez avec 7 nounous? Elle nous donne le sein. Ça fait un peu cher, le litre de lait, hein. Oh, ça va, oh. On a le droit, hein. De la Genève, elle avait bien fait nain. Alors, D'ailleurs, il paraît que c'est super bien monté, hein, nain. À Fort Boyard, c'est des douches collectives et il paraît que passe-partout, on m'a dit, hein. Bon, Jean-Marc. On rigole. Oui, bah, il y a des blagues qui passent pas partout non plus. Oui, pardon. Bien. Le plus important, c'est l'amour entre un père et son fils. Fils de pute. Ah, on parle pas comme ça à son père, ok? Connard. Bon, Jean-Marc, c'est valable pour toi aussi, on parle pas comme ça à son fils, hein. Fils de pute. Oh. T'es sûr qu'il a pas le syndrome de la Tourette? Et toi, t'es sûr que t'as le syndrome de la Lotette? Bon. Elle est où, sa mère aussi, là? Dans ton cul. Ouais. Elle a pas voulu venir. Elle voulait pas répondre aux questions du grand con. C'est ma fête ce soir, hein. Hein? Je dis, c'est ma fête ce soir, hein. Oh, c'est sa fête. Oh, c'est sa fête. C'est la Saint-Grand-Con. Va falloir lui offrir son cadeau, alors, hein. Ah bon, j'ai un cadeau, moi? Ouais, vas-y, dis. C'est quoi, mon cadeau? Non, dis tout le temps, faut lui offrir du charisme, Grand-Con. Ramène-la-moi ta mère, je vais lui dire deux mots, hein. Te fais tâcher, elle est pas venue. Bah, elle est où? Non, t'as vu la taille de sa tête au gamin? Quand il est sorti, il a tout cassé. Un vrai carnage, alors. Elle a dit qu'elle voulait retrouver sa silhouette avant de remonter sur scène, tu comprends? Oui, je crois comprendre, ouais. Elle a un gros cul. Merci, ouais. Bah,
On évitera les détails. On a perdu 3 télécommandes de la Twingo. Bon, bah ça va, là. Ah non, c'est à fait voler, la Twingo. Bah non, elle a aspiré comme un Flandy. Bon, c'est bon. Et vous en loupez pas une, tous les deux, hein. T'as comme toi. Comment ça, pas comme moi? Non, non, elle dit tout le temps, le grand con, il a looté sa carrière. Oui, bah... Ouais, bah, sympa ta mère, mais sans ma carrière, il n'y aurait personne ici ce soir. Alors, je te ferais dire que... Hein? Non, non, il dit tout le temps, le grand con, quand il n'a pas de répartie, il dit tout le temps, je te ferais dire que... Hein? Ouais, bah, j'ai peut-être pas de répartie, mais... Je te ferais dire que... Hein? Il est taré, en fait, ton fils, hein. Fils de pute. Ouais. Taré et en boucle. Eh, doucement, j'en ai qu'un, et c'est mon fils, hein. Fils de pute. Oui, bah, heureusement qu'il y en a qu'un, hein. Ah, je te pète partout, hein. Oui, bah. Moi, je voulais une petite sœur, mais tata, il dit que maman l'a avalée. C'est accroché les projecteurs là. Jean-Marc. Oui, donc ça. Ah, t'es là toi, t'es arrivé quand? Arrête. T'es un grand malade en fait, toi. Mais c'est pas moi, c'est elle, elle peut pas s'empêcher, elle doit tout à la taille. Bon, arrête. Et toi, t'es pas obligé de tout raconter, hein. Pourquoi? Parce que sinon, je vais faire un truc qui va pas te plaire. Pourquoi? Bah, je vais te faire un truc que Ninjas, qui aime bien faire penser les tétons, il demandait pas à sa pire maîtresse. Pourquoi? Parce que si tu dis encore une fois pourquoi, je t'en colle une. Pourquoi? Oh putain, c'est bon, Jean-Marc, c'est bon. On arrête. Pourquoi? En fait, on a trouvé pire que toi, Jean-Marc. Ah, dans les chiens font t'as des chattes, hein. Oui. Miaou. Oh, il est intelligent. Montessori, ouais. Il apprend les animaux. Vas-y, fiston, fais le chien. Waf, waf. Ouais. La chienne? Oh, oui. Oh. Oh oui, encore. Ramène ton frère, j'ai deux trous. Oui, bah ça va, c'est bon. On est sur TF1. Oh oui, Nico, ça... Oui, c'est bon. Ramène ton frère, j'ai deux trous. Ça, c'est même Srin, hein. Il est jeune, il va apprendre, hein. Il y en a beaucoup de plus. Bon, arrête. Il est sur les animaux, je te dis. Vas-y, fiston, fais la levrette. Non, mais c'est bon, je pense qu'on a compris. En tout cas, c'est une très belle éducation, hein. De qui? De ton fils. Fils de pute. Oui. Et elle en pense quoi, sa mère? Hein? De cette éducation, elle en pense quoi? Non, on s'en fout, de toute façon, non, non, elle est jamais là, alors. Ben, elle est où? Ben, j'en sais rien, moi, elle est jamais là, t'as sa vie à Disney. À Disney? À Disney. Qu'est-ce qu'il fout à Disney? Ben, je sais pas, moi, elle a pris un tasse annuel, elle y va tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Mais chez toi, elle fait des nanas, elle achète des nugs, elle mange des churros. Des churros. Attends, tu passes pas toute ta vie à Disney pour manger des churros? J'ai chaud. Oui, ben, j'ai pas la clim. Pourtant, maman a dit tout le temps, le grand con, il rase du vent. Il a une éolienne dans le cul. Oui, bah ça va. Bon, et donc Disney? Ah là, elle veut partir à Los Angeles parce qu'il y a le grand patron de Disney qui veut l'héberger. Le grand patron de Disney? J'ai chaud. Oui, bah on a compris. Mais c'est qui ce grand patron? Bah, je sais pas, c'est le grand patron, il veut l'héberger. Et t'es pas jaloux? J'ai chaud. Oh là là. Bah, enlève ton bonnet déjà, t'auras moins chaud. Et Ah oui, bon, la rouille, enlève le bonnet du petit, s'il te plaît, il a chaud. Donc toi, ta gonzesse, elle part à Los Angeles avec le soi-disant grand patron de Disney et t'es pas jaloux? Non. Tu
excuse-moi, ils applaudissent ma confiance, hein. Tu sais, c'est quand j'étais jaloux qu'il se passe des trucs. Non, j'ai entièrement confiance. Ah bah tant mieux si t'es pas jaloux. Parce que je me disais aussi... Ah ouais, c'est un sacré copain, le patron, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas ce qui se passe, mais... J'avais chaud. Oui, aussi, j'ai un petit coup de chaud, là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Nabilouche, t'en as dit un peu plus, là, sur ton fils et le soi-disant grand patron de Disney? Non. Elle n'a rien dit de spécial, mais de toute façon, je crois que... Je te t'en renier. Oui, bah oui, t'as raison, après tout, il a tes... Tes dents, voilà. Mais j'ai ta dent. Et bah, maintenant, j'ai froid. Oh, le relou. Non, quand on emmène voir la grosse souris, il fait jamais froid. Oui, bah j'ai l'impression qu'elle se réchauffe beaucoup avec la grosse souris. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'à Disney, y a pas que la parade qui défile, enfin... Je me comprends. Pourtant, maman, elle dit tout le temps, le grand con, il comprend rien. Je vais me le faire. Qui ça? Ton fils. Fils de pute. Oui, bah... Il y a du caractère, hein. Et d'abord, je vais te dire un truc. Quoi? Et d'abord, j'assume la personnalité de mon fils. Parce qu'aujourd'hui, écoute-moi bien, Jean-Louche, c'est la prunelle de mes yeux. Ouais. Le matin, c'est pour lui que je me lève. Le soir, je me couche en réfléchissant à comment lui rendre la vie meilleure que la veille. Je ferai tout pour mon fils. C'est ma raison de vivre et personne ne l'enlèvera. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Rien ne sera plus fort que l'amour que j'ai pour mon bébé. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, papa.